Yo l'équipe, ça dit quoi? Putain, la qualité de bâtard, je te jure. Moi, je suis vraiment vraiment content de revenir là. Bah déjà, merci beaucoup pour les 100 abonnés, ça me fait hyper plaisir. Je sais que c'est pas beaucoup pour certains, mais ça me fait chaud au cœur. Surtout après un mois, j'ai rien posté et donc 3 mois où j'ai pas posté de vidéo complète. Des belles nouveautés ici. Là, vous voyez, la qualité a changé par rapport à avant. Déjà, il y a un flou. Il y a un flou derrière, genre. Bon là vous le voyez plus du coup vu que c'est moi en flou, mais c'est tout simplement la Panasonic Lumix DMC GH4. Mais sachez que je suis très 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 content. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait cet achat. Du coup bref voilà, je voulais juste vous dire merci pour les 100 abonnés. On repart de plus belle. Bon ça va être un peu compliqué comme je vous disais vu que je suis au bac de français etc. Mais j'essayerai de faire au moins une vidéo toutes les 2 semaines, un mois en fonction de ce que j'ai en fait. Parce que là on va arriver, on va se faire fumer frère. On a des contrôles de devoirs communs, je sais pas quoi. Niquez vos mères, les profs. C'est amical. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Alors pour Noël, j'ai eu un autre cadeau de ma sœur. Je suis content de l'avoir eu quand même parce que j'en voulais depuis longtemps. En fait, tout ce truc, c'est tout simplement... le couteau papillon. Eh, hey, menace Santana ou quoi? Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais quoi? Mais les planètes s'alignent ou quoi? Je comprends plus là. Tu vas me dire qu'il y a une vidéo que je peux faire avec ce magnifique appareil. J'ai eu les 100 abonnés et en plus, on m'a offert un couteau papillon. Enfin bref, vous avez capté le but de la vidéo. Donc les gars, je vais tout simplement m'entraîner à faire des tricks de couteau papillon. Du coup, bah c'est parti. Actuellement, mes bases en couteau papillon sont très limité, c'est-à-dire que je me limite au voilà, le faire de l'autre côté. Aïe. Bon bref, voilà, vous savez que c'est éclaté au sol. Et du coup, bah voilà, bah les gars, je vous propose qu'on aille sur une table adéquate. Il y aura pas ce micro là parce que faut pas abuser non plus. Mon but, ça va être de faire un enchaînement à la fin de la vidéo. Et si j'en fais pas, je saute par la fenêtre. Non, bon, on trouvera un truc pour si jamais j'arrive pas. Let's go pour aller s'entraîner en bas. On est des carrés, fête Noël, on arrive. On baisse ta mère, elle pas mon lait, moi je traille tous les cookies. On passe par la porte, ravale mon sapin avec mon usine. Dans ta petite console et nique ta grand-mère si t'es pas riche. J'ai jamais vu Père Noël, j'ai jamais vu son créneau. Mais j'ai vu ta pute de mère lécher sur les boules du sapin. Ok, donc les gars, c'est bon, on est là, on a l'ustensile. Vous inquiétez pas, il y a une autre caméra, c'est ma GoPro, mon ancienne cam pour filmer, hein, bien sûr. Seuls les vrais savent. Vu que c'est Noël, je vais vous montrer un peu mon petit sapin qui n'a pas d'étoile encore. Alors qu'on est le 27 décembre. Bon. Waouh, il est trop beau, c'est ma daronne qui l'a fait, vous avez un à dire que c'est beau, sinon je vous démarre vos grands morts. Putain, c'est lourd quand même les caméras. Et j'ai oublié le truc pour qu'on apprenne le couteau papillon. Ah oui, ça résonne dans la pièce, désolé. Le fucking. Bon, ok, donc là c'est bon, j'ai mon OBS sur le Mac. Ah ouais, carrément. Faut être con pour prendre une arme comme ça, en vrai. Ok, alors, let's go, commencer le couteau papillon. Ouais, donc je vous disais, hein, moi mes trucs, ça ne va pas au-delà de ça et ça. Ah mais j'ai vu sa vidéo lui, il m'a aidé à faire les trucs. Alors eux c'est bien mais je ne comprends rien à leurs explications, genre vraiment. Ce n'est pas contre vous mais je ne comprends pas vos explications les refs. Capture d'écran. Donc let's go. Oh putain le PC va faire du bruit hein, je vous le dis. Les gars pour cette vidéo je vais essayer de faire des trucs faciles mais aussi des trucs un peu plus complexes. Dites moi dans les commentaires si je dois couper mes cheveux ou pas, je peux pas faire de sondage mais dites moi quand même. Quoi? C'est facile. Quoi? Pourquoi je fais pas du gaming? Moi je comprends plus. Mais t'expliques pas! Comment on fait ça? Peut-être comme ça. Mais attends. Donc. Clac. Clac, clac. Je crois que c'est ça. Je crois qu'on a, on tient un truc là. Ok. Oh, c'est honteux. Bon, je crois que c'est à peu près ça. Mais ouais, c'est dur ça. Ah. Bon, si c'est pas très fluide, c'est pas grave. Nique sa mère! Putain, je dois commander une pizza en plus, j'ai même pas fait de sport. Je suis un gros crasseux, je me suis pas lavé depuis 4 jours. C'est bon, je baisse des vaches aussi. Faut pas que je m'énerve déjà. Faut toujours voir le côté positif des choses. J'apprends, je crée du contenu qui vous divertit. C'est pas vrai ça. Ça, je l'ai. Celui-là, ça va, je l'ai. Celui-là, ça va, tu vois. Celui-là, ça va, mais celui-là, là.
Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette merde. Bah voilà, on peut faire ça en vrai. Déjà, clac. Aou. Oh, il va être dur mon truc. Oh. Et après, clac, clac, clac. Voilà, déjà on a le premier move. Le premier move, impossible. Mais ce n'est pas grave, on est là pour se dépasser. Mais je suis con, en plus je le fais mal. Je la table. Quand ils vont arriver, mes parents, je vais me faire tabasser. Oh. Ça, ça passe, je m'en bats les couilles. Putain, mais je tourne à l'envers depuis le début en fait, c'est pour ça que c'est compliqué. Bon, on va s'entraîner sur la rotation. C'est dur. Mais c'est dur. Bon, c'est pas un vrai contour. Ça fait mal au doigt en plus. Comment il fait? Eh, je vais mettre un ralenti de son ralenti, c'est bon. Quoi? J'ai pas vu. Ah, ok. J'ai compris, ça fait clac, clac. Clac. Là, en fait, il faut avoir ce doigt-là ici. Clac. Ouh. Donc là, t'arrives, tu fais clac, clac, clac. Mais je pense que je fais le mauvais mouvement. On le sait que le début et la fin, je l'ai. Le milieu, bon, un petit peu moins. C'est un truc comme... C'est un mec comme ça, c'est un mec comme ça. Okay. Ça passe à peu près. Mais c'est pas trop ça. J'ai le move, j'ai le move. Voilà, je fais que de la merde. Voilà, si je suis pas comme ça, ça marche pas. Mais fils de pute! Bon, bah, mais là, je serais mort. Mais encore mort! Oh, bah, en vrai, je peux faire ça. Hein. Ça rajoute un petit truc stylé, en vrai. Ouais, en vrai, c'est bien. Tu viens comme ça, et là, et en fait, c'est ce truc-là que j'apprends dans une autre vidéo. Donc voilà, ça prend pour les pouces. Mais on est dans CSGO, là, je comprends plus. Donc, ouverture, fermeture. Et celle-là, voilà. Un peu plus compliqué. Et c'est dur de le faire sur une table, hein, je vous jure. On va surélever. Oh, il sera pas fluide du tout, mon truc. Moi, je propose qu'on commence par le truc simple. Ok. Putain, en vrai, c'est un bel enchaînement, je trouve. Fils de pute. Oh, faut que je sois debout, en fait. Ok, celle-là c'est la bonne, je parie. Non, c'est pas la bonne. Je vais m'arracher les cheveux là, c'est trop. Qu'est-ce que je fous moi, putain? Ça me casse les couilles! Durant toute l'heure où je vais m'entraîner là, je veux que ce soit une détermination impartiale, je ne sais pas si ça se dit. Trop beau le mouvement. Let's go pour un nouveau. Ça, putain de sa mère. Nique ta mère. Ah, en vrai, on tient un truc, mais... Cette fois, c'est la bonne. Première fois que je réussis. Première fois que je réussis. Première fois que je le réussis. Première fois. C'était pas parfait. Donc on va pas faire ça. Mais putain de bordel. Ça fait 20 minutes là que je suis sur ce vieux truc de merde là. Juste la fin me nique en fait. Mais mes doigts, ils vont finir enflés, hein, vraiment. La douleur quoi. Ça fait très mal aux doigts, hein, vraiment au début. Ah, putain. Aïe. Ah mais ça me fait mal. Allez, je vais mettre des gants là. Oh, faut que je repose mon doigt là. Oh la vache là. Oh, je me suis pris un truc. En gros, là c'est rouge. Je me prends des putains de coups couteau ici là. Comme ça. Et ça, ça m'encule les doigts. Et franchement, s'il y a des pros de tout ce qui est couteau papillon dans mes viewers, faites des vidéos, essayez de faire comme mon truc là. Mais en le faire bien. Je vais essayer de le finir avant ce soir, sinon je suis une pute. Et je le suis sûrement. Mais là, on est bien parti. Ça fait déjà 1h10 que je rec pour ce vieux truc de merde là. J'ai réussi. Et on sous-estime trop le couteau papillon, mais c'est vraiment dur. Hein.
on s'améliore. On s'améliore. Le salto était pas fou, mais on y est presque, on y est presque, et ça c'est bien. Allez, on continue, on n'a pas le temps à perdre, parce que là je commence à avoir mon doigt tout rouge en fait. On garde le smile. Oh putain, j'y arrive bien quand je smile, vous avez vu? Oh, oh. Yes! Oh. Oh non! Il était si bien parti celui-là! Les gars, je crois que j'ai enfin réussi. Bon, à peu près. Je vais pouvoir vous montrer le résultat. Alors, je n'ai plus de doigts. Vraiment, je suis mort de doigts. Alors, j'espère que je vais réussir. Sinon, on utilisera le dernier comme réussi. Parce que je considère que là, c'est réussi. Les amis, un maximum de GG, s'il vous plaît, dans le chat. Il est 20h04. Ça fait 1h30 que je tourne. Je vais péter un plomb. Ok. Bon, il y a eu un petit bafouillage, mais l'intention y est, l'intention y est. Et c'est l'important, c'est de participer. J'aurais réussi, je l'aurais réussi. Les gars, c'est la fin de la vidéo. On va arrêter un peu le couteau papillon pour aujourd'hui, parce que c'est un peu trop, je vous avoue. J'ai kiffé faire cette vidéo, vraiment, les gars. Merci encore pour les 100 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir, chaud au cœur et au cul. Et sur ce, bah du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos commentaires, vos petite pépite. Ça c'est pour le référencement, comme vous savez, les petits youtubeurs se font bien enculer par YouTube, donc moi je veux être connu, célèbre, gagner plein d'argent, un max de thunes pour pouvoir baiser de et sniffer. Du coup, s'il vous plaît, vous pouvez le faire. Merci. Ciao, bye.